Assalamu alaikum. Bonjour. Azul. Hello. Et voilà, la nouvelle ambassadrice américaine à Alger qui nous a piqué notre formule de salutation. Salamu alaikum. Azul vlaoun. Bonjour. Merci madame l'ambassadrice. Ça, qui nous pique, c'est pas un problème, ça fait partie du décor. Le problème, c'est que quand les gens n'y croient pas, lorsque les gens ne croient pas que Assalamu alaikum Azul Fillaoun est un triptyque culturel destiné à rassembler tous nos compatriotes. Donc, l'ambassadrice américaine nous a aimablement emprunté la formule Assalamu alaikum, Azul, bonjour, ça nous a fait plaisir. C'est bien si en plus de cette ambassadrice, nous tous puissions comprendre que notre identité est plurielle, riche de tous les apports qui ont versé dans la matrice originelle, le creuset où sont fondus tant et tant de richesses, de spiritualité, de butins de guerre aussi. Puissions-nous tous, non pas seulement Algériens, mais tous les Maghrébins, nous retrouver dans un salut qui se veut rassembleur et fraternel. Alors, aujourd'hui, nous évoquerons ce curieux rappel de Béchir Tartak, de son vrai nom, Othman Sahraoui, à la présidence de la République. À la présidence de la République, si tant est qu'il y ait un vrai président en titre, un vrai... Donc, ce monsieur a été rappelé après avoir été évacué du DRS et mis sur la touche d'une façon on ne peut plus humiliante. Qui est cet homme? Pourquoi a-t-il changé de nom? Un nom débonnaire et bien chez nous, Sahraoui, en Tartag. Pour qui ne connaît pas l'Algérien, Tartag veut dire celui qui brise les eaux et Tartag. Mais comme ce surnom ne lui suffisait vraisemblablement pas, il s'en fit donner un autre, celui de Bombardier, Barbare, Bombardier, en avant. Des surnoms qui sont loin d'être usurpés, semble-t-il pour ce qui concerne ce monsieur, puisqu'il était connu dans le DRS pour avoir été celui qui avait reçu la mission de faire le grand nettoyage au sein de l'armée d'abord. Il se serait occupé de liquider, dans des conditions particulièrement atroces, un grand nombre d'officiers de tout grade sur lesquels pesaient les plus petits soupçons. Ce fut une terreur noire qui s'abattit sur l'armée algérienne. Le bombardier avait réduit au silence sépulcral tous les officiers supérieurs, y compris ceux qui étaient plus gradés que lui. Personne n'osait plus le moindre murmure sur la grave dérive du haut commandement à ce moment-là, au point où faire la prière seulement pouvait taxer quiconque s'y adonnait de sympathisants islamistes. Puis, comme l'efficacité de cet homme en matière d'éradication et de nettoyage s'était affirmée, comme l'une des plus remarquables au sein des groupes d'exterminateurs, il fut chargé d'actions spéciales dont le but était de faire, de commettre des carnages au sein des populations civiles et de personnalités en vue et de les inscrire à l'actif des islamistes armés, ce qui avait pour nom le terrorisme pédagogique qui servait à retourner les populations contre l'islamisme politique et de faire peur à l'Occident pour le convaincre que l'armée était le plus sûr rempart, son plus sûr rempart contre l'intégrisme menaçant. Cet homme est sans conteste l'un des pires criminels contre l'humanité qui ait connu la décennie rouge. Je répète, l'un des pires criminels qui ait connu la décennie rouge. Et ainsi, pour ne pas traîner dans la boue sanglante qu'est la carrière de cet individu, Sahraoui, dit Tartag, dit le bombardier, finit-il par devenir tellement puissant
qu'il en arriva à faire de l'ombre à l'homme le plus puissant du DRS, donc du pays, le fameux Tawfiq, qui s'était lui-même donné le surnom de Rab Dzair, astaghfirullah, le dieu de l'Algérie. Curieux penchant que ceux de ces criminels qui aiment à se donner des pseudonymes terrifiants. Il se trouva dans l'inextricable paquet de nœuds qui est ce repère de monstres, ce régime dont personne ne peut imaginer toute la complexité et la monstruosité. Il se trouva donc que Tartak, jeune loup aux dents longues, devint tellement puissant qu'il commença à lorgner du côté du mal dominant, qui était Tawfiq, son grand boss. Et il n'était pas seul dans cette recomposition qui se dessinait au gré des humeurs, des fluctuations de force et des circonstances. Mais d'autres forces, justement, naissantes, celles-là, mais qui avaient eu la chance de faire main basse sur le pactole qui venait de lui tomber dans le giron, avaient réussi à noyer la masse des quelques généraux qui faisaient la pluie et le beau temps, sous un flot de nominations de nouveaux généraux par paquets entiers, des centaines. Ces forces-là, les frères Bouteflika et les généraux qui étaient devenus leurs clients et leurs vassaux, ne tardèrent pas à devenir l'alpha et l'oméga de toute la décision politique, à un point où ce fut la bousculade à qui les rejoindrait. Tous savaient que les derniers arrivés trouveraient la porte fermée. Ça se passe comme ça en Algérie. RND, FLN, régime, ça se passe toujours comme ça. Quand les doigts se claquent pour appeler la meute, tout le monde se met à courir, sachant que les derniers ne pourront pas monter dans le bus. C'est dans ces conditions que la grande purge du DRS commença. L'inimaginable se produisit. Le clan présidentiel put désintégrer le DRS et, cerise sur le gâteau, ce fut avec l'aide de Tawfiq lui-même, sans la collaboration duquel cette grosse opération n'aurait jamais pu aboutir. Ce fut réellement un exploit inimaginable jusque-là par n'importe quel initié du Sérail. Tawfiq a joué le jeu pour deux raisons essentielles, principales, entre autres. La première est qu'il avait compris qu'il n'avait plus la main et qu'il valait mieux jouer le jeu du plus fort. A fortiori que la France avait fait savoir que celui qui était contre les frères Boutef était contre elle. Et pour les généraux algériens, dont la France est la plaque de tout leur trafic et de toutes les fuites de leurs capitaux, il n'est pas bon de s'en faire un ennemi. La deuxième raison, qui incita donc Tawfiq à aider au démantèlement de son DRS, son bébé chéri, était qu'il avait trouvé là l'occasion de régler leur compte au jeune loup qui voulait le faire descendre de son piédestal. Et ainsi, Tartak et de nombreux autres furent écartés, démis, mis à la touche ou invités à faire valoir leur droit à la retraite, comme on dit, ou simplement limogés, parfois même assignés à résidence, ou mis aux arrêts. Une coalition de généraux frondeurs, hein, c'est un peu trop dire, mais bon, s'organisa naturellement. Frondeurs, un peu comme, vous voyez, le moustique qui, quand vous dormez, qui vient vrombrir, et il vous empêche de dormir, et vous avez envie de le tuer, et puis, ou alors il profite de votre sommeil, il vous pique, ça vous démange, c'est un peu ça, hein, les frondeurs. Donc c'était des gens qui avaient un peu leurs petites influences au niveau de certains journaux, de certaines chaînes de télé, et même de certaines personnalités politiques qui se préparaient à se présenter au présidentiel. C'est à ce moment-là que ce groupe de frondeurs représenta une petite menace pour le clan présidentiel qui s'apprêtait à faire rempiler le président sortant, pourtant totalement invalide, incapable de prononcer deux phrases de suite, encore moins de les coordonner. Mais c'était compté sans la capacité financière et tactique de Saïd Gaïd. Bouteflika, le désormais seul vrai patron du pays, avec son acolyte général Gaïd,
par la grâce du pognon et de Madame la France, le candidat que le groupe de frondeurs dont faisait partie Tartag, leurs candidats qui avaient cru que l'armée était avec eux, et qui avaient marché, et qui avaient pensé que « Ah, mais ces frondeurs, c'est de vrais frondeurs !» Et ils ont avec eux une partie de l'armée. Ces candidats-là furent laissés au milieu du gué. Et le président Bouteflika fut réélu dans une vaste parodie d'élections, sans que cela n'émeuve dans les chaumières. Les Algériens s'étaient totalement débranchés de la chose politique, voire même de l'avenir de leurs propres enfants. Ils ne veulent plus rien entendre de tout ce qui est politique. Ils s'en fichent éperdument. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez mettre n'importe qui sur le trône ou sur le siège ou sur le bidet. Ils s'en fichent éperdument. Or, ne voilà-t-il pas que le fameux Tartag, après avoir été quasi totalement neutralisé, est rappelé par le duo Saïd Gaïd. Il est nommé comme conseiller à la présidence. Normalement, une voie de garage, un poste honorifique qui sert à mettre des barons périmés au grenier. Mais rien n'est sûr. Il est tout aussi possible que cet homme ait été rappelé pour des raisons autrement plus tactiques. Entre autres, pour remplacer des gens. Entre autres, pour semer la zizanie dans le groupe de frondeurs dont il était l'un des chefs et qu'il va lui-même aider à le faire exploser. Il pourrait aussi être utile pour tous les dossiers sensibles dont il dispose sur un peu tout le monde. Quand il était à la tête du contre-espionnage algérien et qui en fait aurait dû s'appeler la direction de l'espionnage sur tout le monde. Le duo Saïd Gaïd ont peut-être été convaincus par leurs amis français de le reprendre, façon de lui remettre le harnais et de pouvoir le contrôler encore mieux. Encore que la France connaît un peu tout le monde et sait qu'ils s'auto-neutralisent généralement. En tout cas, l'un dans l'autre, ce curieux rappel de ce monsieur a interpellé tous les observateurs du sérail politique algérien. Cela confirme que de sérieuses dissensions secouent le régime, que les limogeages spectaculaires qui ont eu lieu ces derniers temps procèdent d'un vaste réaménagement de la maison, que quelque chose de très gros se prépare, on ne sait pas. La curieuse mise au projet, au rencard, pardon, du projet de révision constitutionnelle autour de laquelle le régime avait pourtant tellement investi en propagande, est un indicateur très fort de ce qui se trame. Ça veut dire quelque chose de grave. D'autant que les rumeurs sur la brusque dégradation de l'état de santé du président Bouteflika pourraient pousser le régime à rapidement opter pour une solution d'urgence pour ne pas perdre le pouvoir, ni être contraint de repartir vers d'autres élections qui pourraient très mal tourner. Nous en sommes là. Tout le monde spécule et nulle véritable information ne filtre de ce blockhouse qui est devenu la mafiocratie algérienne. Aujourd'hui, TSA, un article de Riyad Hammadi, une partie des missions du DRS sur le point d'être rattachée à la présidence. Monde d'Afrique, un article de Hicham Abboud, la plus belle prise de guerre du clan Bouteflika. Algérie Focus, un article de Abdou Sammar qui est avec nous aujourd'hui. Le DRS revient en force à la présidence. Le général Bachir Tartag, un protégé du général Tawfiq, nommé conseiller. Avec nous comme invité, Abdou Sammar et Jamil Dziri. Abdou Sammar, rédacteur en chef, je le rappelle, d'Algérie Focus. Abdou, merci de nous avoir rejoints. Merci Jamal, merci à vous de m'avoir invité. Merci. Alors, votre lecture sur ce curieux rappel du général Tartag. Bon, ben, Jamel, j'ai une lecture très différente, même de ce que vous avez avancé, vous, dans votre chronique très sympathique, mais qui, pour moi, ne colle pas vraiment beaucoup à la réalité. C'est-à-dire que c'est une prise... C'est qu'il y a une guerre de clans terrible, que le DRS, c'est fini, qu'il y a une présidence qui est forte, ou que le général Tawfiq a été affaibli.
Pour moi, toutes ces élections ne collent pas du tout à la réalité, pour la simple raison qu'on voit, juste après le quatrième mandat, quelques mois après, 2, 3 mois après, un haut gradé du DRS revient à la présidence. Et il faut savoir une chose, il faut être réaliste. C'est-à-dire, peut-être qu'on n'est pas des experts des services de... Il faut pas être expert des services de l'enseignement pour comprendre qu'un membre du DRS restera toujours un membre du DRS. Un haut gradé du DRS restera toujours conditionné parce qu'il a vécu, parce qu'il a appris, parce qu'il a par la manière avec laquelle il a travaillé avec le DRS. Donc le fait qu'il, même s'il a eu des malentendus entre lui et Taoufik, les malentendus ne suffisent pas pour créer pour donner naissance à des guerres, à des luttes internes. Alors, Donc, ça, d'après vous, pardon, la Abdou. présidence, elle est pour moi claire. Pardon, Abdou Samar, pardon. Alors, d'après vous, le DRS n'a pas été laminé, tout va bien dans le meilleur des mondes, Taoufik, les autres, il n'y a pas eu de limogeage, Non, mais c'est tout est bien, quoi. limogeage, justement, Jamel. C'est quoi il faut être, c'est-à-dire, il faut pas trop deep, il faut pas trop dupe plutôt. Il y a certains chapelles médiatiques qui veulent nous faire croire qu'au sommet du pouvoir, il y a eu des limogeages, c'est vrai, il y a un grand manège, etc. Mais le régime algérien, je vous rappelle l'épisode de l'Abi Belkhir, le cardinal, le fameux Abi Belkhir, qui était le cardinal, la tête pensante des services d'enseignement, de tout ce qui avait eu comme complot et manigance. Lorsque l'Abi Belkhir a fini dans un hôpital à Ain Najah, l'hôpital militaire, ça s'est passé comme ça. Le régime algérien est comme un serpent. Il a cette capacité de faire sa mue, de se débarrasser de ses dirigeants vieillissants de manière très tranquille afin qu'ils puissent survivre. Mais il faut être sérieux, il faut être encore sérieux. Les loups, quand ils chassent entre eux, ils restent toujours solidaires. Ils sont unis contre une proie. Et peut-être au sommet du pouvoir, il y a eu quelques différences. Mais Quelques Abdou, différences, Abdou mais pas plus. Samar, Pas plus. C'est-à-dire qu'il y a une lutte de clans qui oppose. D'abord, c'est quelle présidence? Le président, il est malade. Il faut qu'il y ait un président pour qu'il y ait une présidence. Oui, Il mais est absent, il est Abdou malade. Samar. Comment il va lutter contre qui? Est-ce qu'il peut au moins se manifester publiquement? Abdou Samar, nous n'avons jamais dit que Bouteflika était le président. On a dit que c'est le président en titre, c'est la façade. On a toujours dit qu'il n'est même pas capable d'aligner deux idées. Mais sinon, moi, j'arrive pas à suivre votre raisonnement. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'il n'y a pas de lutte de clan, le DRS n'a pas été laminé, que Touvec est Alors, toujours le. je veux dire une chose, prolongeons ce qui s'est passé. Le DRS n'a jamais été laminé, pour la simple raison qu'aujourd'hui, un de ses hauts gradés, et d'ailleurs, le bombardier Tartaj, il a été formé par Toufir, c'est un ami intime à lui, comme Général Hassan, comme etc. Ces gens-là sont toujours ici. Il y a juste des chapelles médiatiques qui veulent faire croire à l'opinion publique algérienne que ça y est, le régime militaire algérien est en train de disparaître, on est en train de passer d'un régime militaire un régime civil, où c'est les civils qui commandent, on va moderniser les services de renseignement, comme quoi le DRS sera l'équivalent de la CIA, il obéira à des civils, il obéira à des instances, on lui demandera des comptes, ce qui est complètement faux. Mais qui a dit Aujourd'hui, on est ça? en train de Abdou faire Samar, qui a dit juste ça? un exemple. Là, Qui Jamel, a dit si ça? vous voulez, Qui? Abdou Samar, excusez-moi. Qui a dit ça? Qui a dit que ces histoires que vous nous dites là, que La le presse Mossad, algérienne, nous pardon, avons le bien discuté DRS. sur le TSA, l'Ouattara, Oui, mais rien. nous, on On ne dit essaie de pas nous ça, faire nous. croire que la présidence est en train de mettre sous contrôle Non, 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 il n'est le pas DRS. question, il n'est Alors que pas 2, 3 mois question. après, c'est un ancien protégé de Taoufik qui lui-même a conseillé le président qui Abdou était d'accord. Samar, nous Il va nous lui-même prendre le sommes. dossier de lutte anti-terrorisme au niveau de la présidence. Il y Abdou a un Samar, nous risque. sommes en train de débattre, nous allons vers une voie qui n'est pas celle du progrès. Nous, on n'a pas dit ça, donc si le Chorouk le dit, c'est Non, leur mais non, je problème. ne parle pas de toi, Nous, Jamel, je parle pas non. de vous, je parle des médias algériens, des Mais chapelles non, nous, on médiatiques parle algériennes, je du parle de ma sujet réalité. d'aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui explique que Tartag, dont le vrai nom est Sahraoui Athmane, connu pour être un criminel contre l'humanité, qui a été mis à la touche. Il a été mis à la touche. Oui, comme ça. Et maintenant, il est rappelé. Est-ce que, la question, est-ce qu'il est rappelé pour diluer un peu le groupe auquel il appartenait, qu'on appelle des frondeurs, mais moi, j'y crois pas tellement. Est-ce qu'il a été rappelé pour qu'on lui confie des missions, pour qu'on le charge, par exemple, de remplacer éventuellement Touvert, ou va-t-on lui donner une voie de garage, un poste honorifique, il va se tenir tranquille et comme ça il sera sous contrôle et c'est ça la question que je pose. Sinon, ce que dit Chorouk, nous on s'en bat l'œil, hein, on s'en fout. Hein.
Jamais il faut regarder la conjoncture nationale et régionale. Pendant l'élection, pour faire passer le quatrième mandat, pour convaincre les partenaires étrangers de l'Algérie, faire passer la pilule aux Algériens, il fallait leur inventer une histoire. C'était quoi l'histoire que le régime, les laboratoires du régime ont inventé? Ils ont inventé l'histoire que le régime algérien cesse d'être militaire, il cesse d'être une sécurotocratie, il passe entre les mains des civils, entre la main de la présidente. C'était une belle histoire, il fallait inventer cette histoire pour dire que voilà, en plein printemps arabe, l'Algérie cesse d'être une dictature militaire, et elle devient une sorte de despotisme éclairé avec un personnage civil. Maintenant, le quatrième mandat est passé, les vacances sont passées, la conjoncture régionale, avec la Libye, ce qui se passe en Libye, le problème qui se passe en Tunisie, etc. La sécurotocratie, les leaders du DLF, les leaders de l'armée, reprennent le pouvoir, ils s'imposent, comme on dit en arabe, « Harima ta'udu li'adatiha al-qadima ». Regardez la loi de finances aujourd'hui de 2015, l'armée contrôle toujours le premier budget, les contrats de l'armée, personne ne les contrôle, personne ne sait qui achète avec qui, sous quels critères. Il y a une impunité totale, un manque de transparence totale. Donc l'histoire qu'on a voulu nous raconter, comme quoi l'Algérie est en train de passer vers un régime civil, c'est faux. C'est juste une histoire pour l'élection présidentielle. Nous, on n'y croit pas une seule seconde. Nous, on est en train de dire que le DRS a été laminé. On se tient à cette idée. Il a été complètement dévasté, saccagé. Ses fonctions essentielles ventilées et réparties entre plusieurs structures. Le DRS, pour nous, n'est plus le DRS d'hier. Il n'en reste qu'une petite structure. Est-ce que je te pose une question, Jamal? Pardon, Abdou, il y a un autre invité. Je suis obligé de lui donner la parole. Jamil Djeli, vous êtes avec nous? Oui, bonjour, Jamaldine. Bonjour. Je suis avec vous, oui. Bonjour, Jamil. Alors, votre avis, je m'excuse... il ne reste plus beaucoup de temps, il nous reste après 7 minutes. Et je reconnais que mon introduction a été un peu longue aujourd'hui. Alors dites-moi, Jamil, très franchement, que pensez-vous de ce rappel de Tartak? Cette nomination, pour moi, elle intervient à point nommé. Et d'autant plus que Tartak n'est pas à son premier essai. Il a été déjà limogé avec fracas en 2006. À l'époque, il fallait nettoyer la façade du régime, pour ne pas dire les écuries d'Ogia. Des événements de la seule guerre des années 90. Le même dénommé Tartak revient sur les projecteurs du spectacle macabre avec le limogeage d'Ahmed Kharfi à la DCI. Les accords des Invalides de l'été 92, encore une fois, l'ont fait passer de la vie au trépas sans rendre l'âme complètement. Il y a quelques jours, plus précisément 3 jours, il renaît de ses cendres par un coup de prince, le projetant conseiller des affaires de sécurité à la présidence. De quoi s'agit-il en fait? Que recèle cette nomination saugrenue? Alliance contre alliance, alliance de contre nature, à force de brouiller les pistes, on s'efforce à mettre un rideau de fumée sur une maison opaque du régime algérien. On constate également, de par sa nature, le régime n'a jamais opéré sa mue depuis Oujda. Le régime opère savamment dans une logique tactique, jamais stratégique. Je ne sais pas s'il s'agit de la culture politique étriquée qui évolue dans un espace lilliputien. On manque de vision. Il s'agit de lutte pour la survie des hommes politiques qui s'apparentent plus en réalité à la survie du régime même, qui par nécessité devient gérotocratique. Gaït Salah, 83 ans. Arbedzer, 77 ans. En tout cas, pour moi, le régime actuellement, il est dans une phase, une conjoncture internationale. Il est obligé, parce que beaucoup de gens pensent que Tartak a été nommé parce que c'est le retour du DRS. Au contraire, c'est une faiblesse. Vous avez parlé de voie de garage ou voie de grenier. Tartak, il est l'élément le plus apparent, le plus sanguinaire des années 90. Et donc, le plus vulnérable aussi, puisqu'on lui demande de faire quelque chose, il va la faire. Sinon, il y aura le TPI. Oui, mais beaucoup de gens pensent à une promotion. Ce n'est pas une promotion. C'est un vrai, la mise dans une cage. Pas au placard, je dis dans une cage, parce qu'il sera visible et les projecteurs seront projetés sur lui. Et donc, moi, ce qui me tracasse, c'est que aussi la conjoncture internationale et le régime vont jouer un rôle dans cette lutte contre l'UI. On a vu hier un communiqué de Reuters, un groupe prétend allégeance à l'État islamique, le Daesh, a proclamé sa naissance en Algérie. Ah. Et là, c'est le retour de Tartak. Équivaut-il à un retour à la case de départ des JIA des années 90?
Oui, mais moi je vous rejoins, j'entends bien ce que vous dites, que là où il est maintenant, avec son passé, il est hyper fragilisé, plus que neutralisé. Mais sinon, certaines sources prêtent à Saïd Gaïd de vouloir le préparer à un remplacement de Rabat Zahir, comme vous dites, astaghfirullah. D'après vous, est-ce que cette thèse peut coller? Non, je pense pas. C'est mettre un flambeau sur ses cheveux, si vous voulez, hein, parce que si on met Tartag à la place de Rabat Zahir, ça colle pas. Surtout les chancelleries occidentales, ils savent qui est la personne et c'est pas un partenaire. Oui, mais comment ce... On va pas prêter allégeance à un sanguinaire. On va pas collaborer. Les Mais Occidentaux, ils savent très bien. Bon, si on justement, va faire Java, les... Jamil, Jamil, comment ce régime qui est très habile, hein, très adroit, comment en est-il arrivé à se compromettre à ce point en rappelant dans le premier cercle, du moins le premier cercle visible, un homme au passé si lourd? Le régime, au fait, le régime, je vous ai dit, il opère toujours dans une logique tactique, jamais, jamais stratégique. Il n'a pas de vision lointaine. Il est le chef de navire, mais un navire sans boussole. Il navigue à vue. Et le tactique, c'est le rafistolage. Deuxième chose, c'est que cette nomination, c'est un jeu d'équilibre. Ils savent très bien qu'il faut maintenir un équilibre. Sinon, s'il y a une force qui va prendre le poids sur une autre, elle s'efface. Équilibre entre qui et qui? À l'intérieur du système, entre les clans, les clans qui composent le régime. Donc, C'est un jeu d'équilibre. Tartag appartiendrait à un clan qui est assez fort pour imposer ce choix de déséquilibre, quoi. Bien sûr, le déséquilibre a été opéré après les accords des Invalides l'été dernier, en juillet dernier. On a vu la cascade de limogeage. Et là, récemment, rien qu'avant-hier, TSA, le site TSA annonce que soit la DCI, soit la DCSE va être intégrée à la présidence. Ça aussi, on a amputé une structure du DRS qui dépend directement du DRS, qui est en milieu de la structure du DRS, qui sera intégrée à la présidence. Ça aussi, c'est un jeu d'équilibre structurel. Et une nomination d'Otantak, c'est un jeu d'équilibre personnel. Parce Mais qu'il faut mettre les gens Jamil. là où il faut, les gens de confiance, les gens qu'on sait qui sont loyaux de par leur sale boulot, leur sale besogne. Jamil, il nous reste 1 minute exactement avant la fin de cette émission. Est-ce que vous pouvez nous dire, en très peu de temps, ce qu'est cet accord des Invalides? Ah, les accords des Invalides, bon, c'est le quatrième mandat contre une multitude d'accords qui touchent au secteur militaire, Mais industriel, l'accord économique, conclu entre qui commercial. et qui? L'accord a été conclu entre qui et qui? L'accord a été conclu entre un segment de la présidence, en l'occurrence Bouteflika et son frère, avec l'autorité française de fait. D'accord. Donc, la France a béni en quelque sorte le rempilage du président malade en contrepartie de choses et d'autres. Bien sûr, regardez ce qui s'est passé au Mali. Voilà. L'approvisionnement en hydrocarbures, l'espace aérien, vous avez une multitude des signaux. C'est pas que ça. Et sur le plan économique aussi. Exact, exact. Et puis la promotion, vous voyez la nomination d'un ministre de l'intérieur, de l'éducation qui ne sait même pas parler l'arabe. Et que bientôt on va avoir des surprises dans le domaine de l'éducation nationale, changement de programme pédagogique, et on verra bien plein de choses. Merci Jamil Diri. Cette émission arrive malheureusement à sa fin. Assalamu alaikum, Azul. À la prochaine, Inch'Allah.